Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. L'entretien du jour avec un homme, c'est Monsieur Ulrich Tuta. Bonjour. Bonjour, Monsieur Sirmakoso. Ulrich Tuta, vous êtes le président du Nouveau Congo et membre de la dynamique MCC Nouveau Congo. Alors, comment va cette dynamique? Parce que ces derniers temps, on a vu qu'il y a un silence plat. Que se passe-t-il? Est-ce que la dynamique s'est désintégrée ou bien vous continuez toujours à travailler ensemble avec Bruno Mouélé, qui lui est le président du MCC. Ok, bah, merci déjà de l'invitation que vous m'accordez aujourd'hui. La dynamique se porte très bien. Nous avons quand même une stratégie, c'est qu'on priorise, si vous voulez, le travail de terrain, beaucoup de terrain. Hein, on fait moins de bruit pour vraiment agir dans le fond des choses, sur le terrain, et avec d'autres acteurs politiques, agir et monter des stratégies. Voilà, pour démettre, si vous voulez, cette dictature du pouvoir au Congo. Voilà, un travail de terrain qui passe aussi par une alliance plus ou moins non reconnue avec le pasteur Ntomi, puisque les choses se normalisent dans le pôle. Ben écoutez, vous savez que le pasteur Ntomi est quand même un point, une chute stratégique dans ce combat contre la dictature du pays. Après, il y a eu des choses hein, ici et là, mais nous ne sommes pas là. D'accord. Donc nous avons peut-être une annonce aussi, n'est-ce pas, puisque Monsieur Ntomi est dans... On a vu qu'il a quand même combattu. Hein. Je ne parle pas de ce qui s'est passé aujourd'hui par rapport à l'annulation des poursuites judiciaires contre sa personne. Mais nous restons, bien sûr, en étroite collaboration avec, en tout cas dans le terrain, avec Monsieur Pasteur Ntomi. Voilà, une étroite collaboration. Vous savez quand même que certains de vos amis ont privilégié le combat militaire ou le combat armé contre Denis Sassou Nguesso qui était symbolisé par le passé Ntomi. Aujourd'hui, Ntomi a rendu les armes, il est en train de se faire une petite situation. Est-ce que ce n'était pas quelque chose auquel il fallait éviter directement, de l'assumer publiquement? Ce n'est pas vous qui l'avez assumé, hein, je vous rassure bien, mais enfin, certains de vos amis dans cette dynamique. Ils ont assumé quoi? Pour être plus assumer le fait que le pasteur Ntomi était celui qui pouvait apporter la solution, mais par les armes, contre cette dictature qu'on a dénoncée. Bon, nous ne pouvons pas parler comme ça. Nous savons que le pasteur Ntomi a beaucoup combattu. Il a beaucoup combattu. Et puis, après ce prisme, n'est-ce pas, de combat, de la situation de crise dans le pôle, il y a eu, n'est-ce pas, des avancées considérables, n'est-ce pas, sur le cessez-le-feu et tout qu'en sort. Alors, Monsieur Ntomi, stratégiquement parlant, dans la paix, non seulement dans le pôle, mais aussi dans le reste du pôle, dans le reste du Congo, n'est-ce pas? Monsieur Pasteur Ntomi est un point stratégique, n'est-ce pas? Donc de cette libération du Congo. Voilà, un homme stratégique, un homme que certains aujourd'hui auspirent. On va rester avec vous, Ulrich Tuta, d'abord sur la diaspora. Ces derniers jours, vous l'avez sans doute vu, lu et entendu, cette polémique autour d'un dialogue avec Denis Sassou Nguesso. C'est l'ancien ambassadeur de Pascal Issouba, Marcel Makoumé, qui a été le missile de Minissi, comme il dit, ici pour rassembler la diaspora. S'en est suivi une polémique qui continue, je dirais, à diviser cette diaspora. Alors déjà, sur le principe du dialogue même, est-ce que le jeune Wakadak que nous avons reçu ici nous a dit que tout le monde a été invité. Monsieur Makoumé, vous avez-il invité Ulrich Tuta à cette réunion qui présageait des signes positifs en vue d'un dialogue avec Denis Sassou Nguesso? Alors, je n'ai pas reçu d'invitation de qui que ce soit, ni d'ailleurs de Monsieur Marcel Makoumé. Alors, périr en faute de connaissances ne devrait-il pas être évoqué ici, dans un moment où les libertés individuelles, les libertés culturelles, politiques et sociales sont le leitmotiv, n'est-ce pas, des civilisations modernes. Comble de confusion, M. Sirmakoso. Alors, face à cela, que dire? Ce qui est vrai, c'est que dans toute résolution, ou encore lorsqu'on s'engage dans la politique, ou encore étant politique, la seule solution qui tienne dans une gestion des crises, c'est la concertation politique. C'est le dialogue. Quand on est un politique, il n'y a pas d'autre moyen que de trouver un consensus dans un dialogue. Ça, c'est donc affaire. Vous soutenez l'initiative de Marcel Makoumé? Du tout, du tout. Sur le principe. Enfin, sur le principe du dialogue. Okay. Oui. Maintenant, pour revenir sur ce qu'on a vu, sur ce qui a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux par rapport à l'initiative de M. Makoumé, alors, l'initiative n'est pas bonne. Pourquoi elle n'est pas bonne? Parce que la manière de faire
n'est pas bonne. Vous savez, nous avons besoin d'un point d'impact, d'une accroche, c'est vrai. Après, l'information, ça peut venir de M. Makome, quand ça peut venir de n'importe quoi. Alors là, de n'importe qui. Alors là, en l'occurrence, c'est M. Makome qui avait donc l'information des gens du pouvoir pour parler donc d'une possible concertation autour du dialogue. L'argument aussi avancé, c'est que la diaspora n'a jamais été associée aux différents dialogues qui ont eu lieu au Congo. Donc là, c'était l'occasion plus ou moins de pouvoir l'associer d'une manière plus importante. On est d'accord, on est d'accord. Je parle de la manière de faire. Vous savez, M. Makosso, le stress, n'est-ce pas, la rapidité, n'est-ce pas, fausse souvent dans l'exploitation des informations sur des questions importantes ou urgentes. Quand on a une information aussi de grande importance, hein, comme la question sur M. Makome, il fallait prendre du recul. Il fallait avoir une stratégie. C'est-à-dire, je donne un exemple. C'est-à-dire, alors, on prend l'état de la situation actuelle des choses et on essaie de dégager des tendances. Moi, j'ai comme ça en tête deux tendances. Il y a cette information-là, c'est très bien, ok? Première tendance, on se dit, quelle est la destination qu'il faut lui donner, d'accord, l'information. Deuxième tendance, quels sont les éléments qu'il faut mettre en exergue pour y parvenir, pour y arriver. Une fois qu'on a toutes ces données, le reste, c'est une question de bon sens. Alors, ce qui s'est passé avec M. Makome, c'est quoi? C'est qu'il a l'information. Il convoque une réunion où les gens ne sont pas invités. Moi, je n'étais pas invité. Enfin, ils soutiennent que tout le monde a été invité. En tout cas, moi, je n'ai pas reçu d'invitation de M. Makome. Et il n'est pas dit qu'il faut que je sois impliqué, hein, mais au moins qu'il y ait la majorité. En tout cas, je n'ai rien reçu de M. Makome. Et puis après, on a vu que M. Makome, il a quand même partagé l'information de ces retrouvailles, de cette réunion qu'ils ont eue, avec en appui une lettre écrite, une lettre de monsieur, signée en tout cas par monsieur le lion de Makanda. Fibonga, oui. Qui est content, qui dit que ben, finalement, on a la peut-être là, on a la possibilité de rentrer au pays, que ça se est prêt à dialoguer, enfin bref, on perd un peu la tête. On se dit, mais purée, mais les gens, ils ont la tête dans le guidon, quoi, mais ce n'est pas comme ça. Il fallait prendre du recul, il fallait travailler. Il fallait donner à l'information une stature un peu intelligente, il fallait prendre du recul. Contacter, faire un travail de terrain, le ciblage, contacter les différents opposants ou différentes personnalités politiques, travailler et puis se retrouver dans une forme de boîte noire et puis faire dégager. Enfin, le temps était aussi limité, hein, puisque cette initiative a été mise en place à l'occasion quel de ce que soit le temps, quel que soit le temps, qu'il soit limité ou pas, on ne badine pas avec des choses qui concernent la République, le pays. Il faut prendre du recul, quel que soit le temps. On ne va pas comme ça. Alors, vous avez un peu de recul en ce moment, entre le début de cette affaire et aujourd'hui, Ulrich Tuta. Est-ce que, si vous ne soutenez pas l'initiative de M. Marcel Makome, est-ce que vous la condamnez? Ben, on se dit, mais je condamne la façon de faire. Après, comme j'ai dit, on a besoin d'un point d'impact. On a besoin d'une accroche, ouais. N'est-ce pas, pour après capitaliser là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, il a déjà capitalisé? Est-ce que vous pouvez lui dire, écoutez, M. Makome, continuez à faire ces démarches-là, revenez dans une manière un peu plus consensuelle, un peu plus construite, et après, nous verrons s'il est possible d'aller dialoguer avec Sassou. En tout cas, ce que je peux dire, on est d'accord, ce que je peux dire ici, c'est que après, les gens sont libres. M. Makome, il pouvait faire ce qu'il veut, d'accord? Mais après, c'est le nom de la diaspora qui a été porté. Que la diaspora. Alors, pour revenir au bon sentiment, parce que moi, M. Makome, moi, je l'ai appelé, juste après. Après, juste après la réunion, effectivement, j'ai reçu une invitation. Ah, d'accord. De la deuxième réunion, j'ai bien reçu. Non, et là, je l'ai appelé. Je l'ai appelé, j'ai laissé un message. Aujourd'hui, il n'a pas rappelé. Et qui continue aussi. On peut toujours capitaliser sur les choses. Parce que j'ai dit, qu'on le veuille ou pas, il nous faut une résolution politique de la crise du Congo. Mais là, ce n'est pas à M. Sassou Nguesso de dicter les choses. Vous voyez ce que je veux dire? D'où la concertation. Ce n'est pas à lui de dicter les choses. C'est le rapport de force que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, nous avons cette force. Nous avons ce rapport de force.
Il y a ça sur ce point. Très bien, on peut capitaliser, mais on peut toujours le faire. Voilà, on peut toujours le faire. Quelqu'un qui a perdu du capital, c'est le lieu de Makanda. Rapidement, est-ce qu'il nous a déçus? Parce que c'est quelqu'un aujourd'hui qui a quand même une aura très importante au sein de la diaspora. Avec cette affaire, il a été sali, il a dit ici, il est même déjà, je dirais, dans une perspective parfois de poursuivre certains en diffamation. Est-ce que je vous dis que le lieu de Makanda garde toute sa place au sein de cette diaspora militante? Ben écoutez, moi je suis partisan des chartes sur les libertés individuelles. Après, dans la politique, il y a des hauts et des bas. Et puis, il y a des choix. Il y a des choix, c'est ça la politique. Il y a des choix. Il doit assumer son choix. On ne peut pas comprendre qu'une aussi grande personne, n'est-ce pas, personnalité, on va plutôt parler de la personnalité, qui a un blog qui marche très bien. Il suffit d'aller... C'est le pionnier des blogueurs. Le pionnier des blogueurs. Ouais. Moi, je l'ai connu par son blog, où j'étais à la recherche de quelque chose, et donc on m'a orienté vers son blog. Ouais. Et j'ai lu, ben, c'est très bien. Que aussi, par une... sur une information. Parce qu'on n'a pas su exploiter une information. On tombe si bas. Son courrier, je l'ai lu. Mais non, mais... On se dit, mais purée, mais c'est pas lui. C'est pas comme ça. Il a manqué de réserve. Voilà, il a manqué de réserve. On dirait aussi peut-être que les combattants ont manqué de réserve, puisque vous le savez, le registre total, le 13 novembre, l'ambassade du Congo a encore subi des attaques. Là encore, une question, je dirais, plus ou moins simple. Est-ce que vous comprenez, vous condamnez, ou vous dites, mais écoutez, c'était une bonne chose que Sassou puisse le vivre ici à Paris? Ben écoutez... De toutes les façons, en fait, nous sommes ici, plutôt, dans la diaspora, nous sommes dans une forme d'indignation continue. Voilà. Donc, on peut s'attendre à tout. Je ne vais pas non plus dire que ce qui s'est passé au niveau de l'ambassade du Congo, c'est une œuvre des combattants du Congo. Enfin, il y avait une signature, c'était écrit les combattants, Monsieur Makossé, on a en face une dictature. On a M. Sassou Nguesso qui est à Paris, en bout d'ambassade. Voilà, qui peut encore. Donc vous soupçonnez la main noire du pouvoir dans cette initiative. Tout est permis. Tout est permis dans ce combat. D'accord? Rien ne dit que c'est une œuvre qui émane des combattants de la diaspora. Ce n'est pas possible. Parce que vous êtes sans ignorer de la dernière des convenus, ce qui s'est passé dernièrement aujourd'hui à. Il y a une justice qui est en train de se faire par rapport à ce qu'on avait connu toujours à l'ambassade. Je ne pense pas, je ne vois pas comment les gens ils vont refaire la même chose. Ce n'est pas possible. Parce que le modus operandi est quasiment le même. Hein. Le mode opératoire est quasiment le même. Mais vous savez, la dictature, c'est... Voilà, les gens, ils sont tellement malins qu'ils vont se dire, bah, écoutez, on va garder le même... La même ligne, d'accord, la même façon de faire pour confirmer ce que nous on est en train de faire. Non, en tout cas, mais en tout cas, si, que ce soit du côté du régime, que ce soit les combattants, tout ce que nous savons, c'est que le peuple congolais est dans une indignation totale. La révolte populaire, la grogne sociale, que ce soit au niveau du pays, que ce soit au niveau de Paris, tout y passe. Ce sont des actions de révolte. Là, je n'ai pas dit que ce sont les combattants. Mais en tout cas, quand il y a des choses comme ça, ben, c'est normal parce qu'il y a la révolte. C'est une façon d'exister, de dire que M. Sassou Nguesso, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Vous n'êtes pas les bienvenus. Et donc, de telles situations peuvent se faire. Sassou Nguesso n'est pas le bienvenu à Paris. Il était bel et bien l'invité de M. Macron à l'occasion des 100 ans de l'armistice. Vous avez bien vu quand même, c'est un séjour qui a perturbé la diaspora, puisqu'on a vu entre ceux qui voulaient, je dirais, partir pour le rencontrer en vue des dialogues et ce qui s'est passé au sein, je dis, de cette ambassade, on comprend qu'aujourd'hui, que la diaspora soit divisée. Est-ce que finalement, le risque total, quand on essaie de voir cette actualité, on se dit que certains diront sans doute que le problème du Congo, c'est sans doute la diaspora, puisque la diaspora, quand on l'associe à des initiatives, elle ne le veut pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut, alors qu'on sait que pour beaucoup, Sassou reste quand même le maître des horloges. Oui et non. Oui et non. Sassou Nguesso, maître des horloges, oui ou non? Alors, oui, dans un sens.
Il suffit que M. Sassou Nguesso, aujourd'hui, qui prend la décision de terminer avec cette bagaille institutionnelle. Cette bagaille institutionnelle, les choses iraient, d'accord, peut-être autrement. Dans un sens, là, il est le maître, voilà, des horloges. Dans l'autre sens, c'est le peuple qui est maître des horloges. Le peuple est dans une contestation totale. Parce que vous êtes sans ignorer que pendant que Sassou Nguesso arrive à Paris, les fonctionnaires ne sont toujours pas payés. On les a vus courir, il y a une vidéo, on les voit courir pour aller... Non, ça ce sont des... Il ne faut pas se fier à ça pour aller prendre un mois de salaire, oui. D'arriéré. Voilà, donc les gens ne sont pas payés. Les confiscations ou les poursuites sur des personnalités ici et là, politiques et tout, le déni de libertés se font de plus en plus présents, n'est-ce pas, au Congo, et ils s'amènent ici à Paris pour participer à un forum de la paix. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Qu'est-ce que vous diriez, juste pour terminer avec cet aspect diaspora, de la duplicité dont on accuse aujourd'hui des gens de la diaspora, en disant, ben voilà, certains étaient à cette réunion, notamment Kevin Diafoka, qui a dit qu'il devait être à Genève, mais qui était en famille. Or, d'après nos informations, il était bel et bien à l'hôtel, Bristol, où il fallait attendre Denis Sassou Nguesso pour le rencontrer. Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui de cette duplicité qu'on reproche à la diaspora en disant c'est des hommes qui la journée critiquent Sassou et le soir peuvent le rencontrer tranquillement sans état d'âme. Cette duplicité de certains gens de la diaspora... Vous pouvez aussi les citer, hein, puisque maintenant c'est une autorité publique. Vous parlez de qui? Qu'est-ce qu'il y a eu dans... Oui, mais non. Moi, je dis que... Monsieur Diaf Lekweta. Écoutez, cette façon de faire... Nous, vous savez, Monsieur Sirmakoso, la diaspora est multiple. Dans la diaspora politique, je dis bien, il y a des gens qui sont vrais, qui sont dans le vrai combat pour que les choses changent en vrai au Congo. Il y a des gens qui courent après des, les postes ou l'argent ou je ne sais pas où. Voilà. Donc il y a quand même cette tendance-là qui se dégage. Mais il faut condamner ce genre de... des choses. Comment voulez-vous que une même personne qui fait croire aux gens qu'il est comme ceci et juste après il tourne sa veste, il va aller et en n'associant pas les autres. Moi je pense qu'il faut communiquer. Moi je ne connais pas Diaf Lekweta comme ça. Directement. Mais je pense quand même qu'il doit se poser quand même la question. De savoir qu'est-ce qu'il veut, quel est son rôle dans ce combat contre la dictature. Il nous dit souvent qu'on va faire partie d'une Sassou Nguesso, c'est son objectif. Oui, voilà, mais ok. Encore, moi, je tiens à la liberté des gens, n'est-ce pas, liberté des gens. Voilà. Mais ce que je peux lui dire ici, un conseil, pour faire partir une dictature ou Sassou Nguesso, il faut de la stratégie. On ne peut pas se lancer comme ça et se comporter, moi je me retiens de dire des mots, il faut une stratégie derrière. On ne peut pas organiser quelque chose sans stratégie. La stratégie, elle est une, elle est universelle. Une stratégie, c'est une trame. C'est une trame qu'on suit. Et on reste concentré dans la stratégie jusqu'à l'aboutissement du projet. Mais après, s'il pense que c'est la meilleure façon pour lui, en tout cas, de faire, je lui souhaite bon courage. Voilà, il faut souhaiter bon courage aussi, Ulrich Touta, à M. Tshisekedi et Vital Kamerhe. Là, nous traversons le fleuve pour aller du côté de la RDC. Ce sont deux hommes qui se retrouvent il y a quelques jours du côté de Genève. 24 heures après, ils changent d'avis alors qu'ils avaient donné une parole et une signature en vue de l'élection prochaine en RDC. Or, cette attitude d'hommes surtout et de femmes qui changent, je dirais, de position, on peut le constater au Congo-Brazzaville, on le constatera au Cameroun, on le constatera aussi à Libreville. Que pouvez-vous dire aujourd'hui? Est-ce que la parole politique vaut-elle encore quelque chose aujourd'hui
le riche Tout-Art. C'est grave, hein? C'est grave comment? Parce que après, le peuple ne suit plus. Enfin, il y a une base, mais ils l'ont fait au nom de leur base. Vous l'avez bien vu, ces manifestations à Kinshasa, ces hommes et ces femmes qui sont descendus pour appeler à Vital Kamerhe et à M. Tshisekedi de retirer la signature. Non, mais avant, il y avait cette annonce-là de la signature. Donc les gens étaient formatés par rapport à ça. Mais ils attendaient plus que leur leader en sorte. Effectivement. Et c'est là le problème. C'est là le problème. Parce qu'on n'est pas, politiquement parlant, on n'est pas encore mûr. Parce que dans la politique, il faut aussi le sacrifice. On n'a pas encore la notion du sacrifice en politique. Effectivement, les gens attendaient que ce soit leur leader qui soit choisi, quoi. Et vous avez vu que c'était plutôt Martin Fayoulou. Monsieur Fayoulou qui a été choisi, et à même pas 24 heures, les deux bases de Vital et de Tshisekedi, ils ont appelé, interpellé leur leader à ce que les signatures soient retirées. C'est, voilà, et à quelques, c'est le 24, hein, le 23 décembre. Un mois des élections, ça porte le discrédit, en tout cas sur la confiance du peuple, en tout cas sur les deux candidats. Voilà, quelqu'un qui a eu la confiance du peuple, c'est Paul Biya. Reparti pour un énième mandat, après plus de 80 ans, vous dites l'Afrique a encore de beaux jours? Non, plutôt, non, on a, oui, voilà, c'est la dictature encore de beaux jours, enfin, en tout cas. Mais 71%. On est mal barré, quoi. C'est le même dessin qui se repercute ici et là. C'est le même, et ils n'ont pas froid, ils n'ont pas honte. C'est le même dessin que ce soit du côté du Congo-Brazzaville. Biya, il reproduit le même dessin. Idriss Déby, et je ne sais pas, bientôt le Guinéen. Pareil. On est mal barré avec ces gens. Donc, du coup, ce qui fait qu'on a besoin d'une nouvelle génération qui soit. Est-ce qu'il ne faut pas donner raison à ceux qui veulent prendre des armes, finalement, quand on voit un peu, je dirais, cette désespérance où on ne sait plus quoi faire. Après plus de 7 mandats, plus de 80 ans, une santé précaire, mais on se présente quand même et on est encore élu. Si on pouvait. Mais pas les arbres en tout cas, mais les arrêter tous. Voilà, les arrêter tous, hein, les mettre quelque part, n'est-ce pas? Et tous ensemble, quoi, quelque part. On les arrête et puis voilà, on passe à autre chose. Parce que ils ne respectent pas les nouvelles générations. Ils ne respectent rien de ce qu'ils ont participé, n'est-ce pas? Les concessions des pays, ils ne respectent rien, aucune charte sur le respect, ils ne respectent rien. Ils se prennent pour des dieux alors qu'ils sont des simples mortels. Des simples mortels. Voilà, quelqu'un qui aujourd'hui reconnaît sa mortalité, c'est Ali Bongo Ondimba. Il y a toujours un mystère autour de la santé du président. Depuis cet AVC à Riyad à ce jour, on a du mal à savoir que deviendra le Gabon sans les bongos, puisque vous avez vu que la constitution a été modifiée, je dirais, manu militari du jour au lendemain, sans passer par le Parlement. Là aussi, on est encore dans le problème de respect des institutions, Idriss Touta. Manu militari, sans tenir compte de, voilà, du Parlement, voilà, c'est encore une... Aïe, on est très mal, on est très mal. Alors, il y avait quand même un vide juridique, hein. Donc il fallait donc changer pour enlever l'aspect vacant, n'est-ce pas, de la présidence dans la Constitution. Donc ils l'ont fait, et voilà. Est-ce que la méthode est déjà... Non, c'est un passage en force. Ce n'est pas bien, c'est tellement brutal. Et on se dit, purée, mais à quand finalement le vrai changement? À quand finalement les vraies valeurs? À quand finalement... Ces gens, ils n'ont pas honte, quoi. Ils posent des choses comme ça. Manu militari, ils posent des choses et après, voilà. Non, non, franchement, c'est une mauvaise façon, c'est un mauvais exemple. D'accord? Et l'Afrique, voilà, c'est comme ça qu'on nous juge, finalement. On n'est pas grand, on ne grandit pas. On reste à la traîne quand il y a de tels aspects de politique dans nos pays. Voilà, restez à la traîne, on va repartir au Congo, un pays qui reste à la traîne sur le Congo, on va aborder la question du FMI, du résultat. Le FMI est en négociation, ou c'est le Congo qui est en négociation avec le FMI depuis quelque temps, les choses n'avancent pas, sinon très difficilement, et là il y a une petite lueur, le FMI dernièrement a dit, ben voilà, on va peut-être vous donner un coup de main, mais bon, il faut que vous fassiez les choses dans les normes. Ouais. Est-ce que vous pensez que ce gouvernement a aujourd'hui tous les moyens pour arranger la situation et que... demain, le pays puisse rebondir? Non, pas du tout. Pas du tout. On ne peut pas
tomber dans ce piège. Nous, ce que nous voulons, c'est le changement radical. Qui peut faire confiance encore à ce gouvernement? Qui peut faire confiance à ce gouvernement? Il y a eu le FMI, avant de revenir, ils avaient donné des recommandations, non? Sur la bonne gouvernance. Qu'est-ce qui a été fait? Enfin, il y a des gens qui ont été arrêtés, on a vu des arrestations. Qu'on a libéré et tout ça, machin. C'est des semblants, c'est des farces. C'est, voilà. S'ils étaient vraiment intelligents, si Sassou Nguesso était intelligent, Sassou Nguesso, il reste dans le... C'est un homme du passé, quoi. Il ne comprend pas les enjeux politiques. C'est grave. On parle de la bonne gouvernance, mais remanie ton gouvernement. Vire les gens, fluidifie, n'est-ce pas, le circuit financier du pays. Change les gens, le management au niveau du trésor public, là où transite l'argent. Mais remanie ton gouvernement. Là, il aurait donné un signal très fort. Il ne l'a pas fait. Donc, Sassou Nguesso reste dans sa bulle. Il ne comprend pas que les choses ont changé. Les civilisations évoluent. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui est là, mais il reste là, il ne comprend pas. Et quand je vois le FMI, le Fonds monétaire international, qui est, il y a lueur d'espoir, on peut espérer, ils peuvent espérer, parce que nous sommes contre, hein. Moi je suis contre. Ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant qu'il faut donner l'argent au Congo, parce que les conditions ne sont pas réunies. Qu'est-ce qui va gérer cet argent? Ça va tomber encore dans les mains de... Les ministres des Finances qu'on a là, les grands travaux, et ça va tomber sur qui? Qui va gérer l'argent? Au trésor? Le trésor, c'est un circuit opaque, n'est-ce pas? Qui est là. Il faut tout changer. Donc, ce n'est pas le moment. On aura besoin du Fonds monétaire international après. Alors, il y a eu deux tendances qui se sont dégagées dans les recommandations du Fonds monétaire international. Je ne sais pas si... Oui, mais allez-y. Vous allez revenir. Oui. Allez-y, vous pouvez développer. Voilà. Donc, le fonds, le FMI, demande qu'il y ait, n'est-ce pas, un dialogue. Un dialogue non inclusif. Enfin, vous comprenez le choix de inclusif, mais un dialogue et un pour. Après, le dialogue permettra une feuille de route et après, convoquer un gouvernement d'union nationale. Ce sont des éléments qui pourront ou qui pourraient permettre à ce que le FMI dégage donc de l'aide. Et là, on peut supposer qu'effectivement, on peut là se dire, bon, maintenant, puisque ce ne seraient plus les mêmes personnes qui seront là, les gens seront différents, ce ne sera plus le même gouvernement, il y aura une feuille de route. Et là, on peut, effectivement. Donc, moi, je pense que... c'est une bonne chose, ces recommandations du Fonds monétaire international. Il faut s'en réjouir. Des bonnes choses, il faut s'en réjouir. C'est sans doute les Congolais qui s'en réjouiront, puisqu'on les voit ces derniers temps courir, aller chercher leur argent. Une lecture sociale pour terminer, Monsieur Touta, par rapport à la situation du Congo. Socialement, vous pensez qu'on est déjà au bord de l'implosion, ou bien il en faut encore un peu plus pour que les gens aient conscience? Non, mais on est dans l'implosion déjà. On est dans l'implosion déjà, c'est depuis longtemps. Je vais vous dire, M. Semakoso, quand les fonctionnaires n'ont pas de salaire, mais est-ce que les commerces vont suivre derrière? Mais qu'est-ce qu'ils achètent chez le commerçant? C'est l'individu lambda, congolais, après avoir reçu son salaire, qui va aller acheter. Or, le Congolais n'a plus d'argent. Et quand on regarde nos vieux retraités qui ont dignement travaillé pendant un temps donné, qui aujourd'hui ils sont peut-être, on va dire, à 17, 18 mois d'impayé de pension, et que dire des étudiants? Moi, j'ai des gens, comme tout le monde d'ailleurs, j'ai une nièce à moi qui me disait, non mais moi j'ai plus mon stock est fini et tout ça, et c'est compliqué. Purée, mais vous avez reçu de bourse, non? Dernièrement, je sais pas, il n'y avait pas 2 mois de payer de bourse et tout ça. Elle me dit, mais non, moi, ma dernière bourse, je l'ai perçue depuis décembre 2016. Vous imaginez? 2016,
Et aujourd'hui, il y a même des collègues qui ont abandonné les études. C'est niveau master, hein, et c'est, qui ont abandonné, qui font du n'importe quoi, du petit coup. Non, l'implosion est là. L'implosion est là. Il faut que la conscience prenne. Il faut que la conscience nationale prenne. Il faut que nous puissions exiger du changement dans le pays. Comment il va venir à Paris, le forum de la paix? Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Que M. Sassou Nguesso arrête. Il n'est pas responsable là. Il n'est pas responsable. L'implosion est là. Les Congolais n'en peuvent plus. D'ailleurs, dernièrement, j'avais dit dans un des plateaux que j'ai donné avec ce Congo Live avec Chicago Event, voilà. J'avais dit que la diaspora était la principale opposition à ce régime. Nous avons un devoir, Justin Makoso, c'est de faire changer les choses et faire partie de Sassou Nguesso. Voilà, merci Ulrich Tuta pour cet entretien. On a bien compris les préoccupations qui sont les vôtres, c'est le départ de Denis Sassou Nguesso. Voilà, on est d'accord. Voilà, mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi. Portez-vous bien, nos programmes continuent. Au revoir.